tous, alors je vous retrouve pour une vidéo action. J'y étais allée, j'avais pris des choses, mais je trouvais pas que c'était spécialement intéressant de vous faire une vidéo, surtout que j'en avais une autre en attente de vidéo action. Et finalement je suis retournée encore et je me suis dit c'est dommage de pas vous montrer, il y a quand même des choses sympas. Donc voilà, j'ai réuni le mieux, enfin, ce que je trouve moi le plus intéressant pour vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc je commence tout de suite. Donc j'ai pris un petit minuteur comme ça, il est magnétique, donc vous pouvez le mettre sur votre frigo, c'est pratique. Et il y avait plusieurs couleurs, donc moi j'ai pris une couleur qui allait le mieux avec la cuisine, donc ça va super bien. Et autrement il y a un petit pied si vous voulez le poser. Voilà, il était vraiment sympa. Ensuite j'ai pris des désodorisants de voiture, c'est des petits bonhommes comme ça que vous... accrocher après la grille d'aération. Donc j'ai pris le jaune, j'aime pas trop en jaune mais c'est la vanille, et puis un menthe fraîche, donc il est vert d'eau comme ça, et puis un rouge, donc je les ai pris en plusieurs fois, un rouge qui est déjà dans ma voiture et c'est à la cerise et ça sent vraiment super bon. Ensuite j'ai pris un verre mesureur comme ça, donc il y a trois graduations, il y a pour l'eau, pour la farine et pour le sucre, donc ça c'est toujours pratique d'en avoir un. Ensuite j'ai pris des petites chaussettes comme ça, donc c'était au même prix mais j'avais pas vu, c'est pas les mêmes, donc j'ai pris des noires et des blanches, c'est pas vraiment la même matière. Et moi je les ai pris pour mettre avec ce genre de chaussures là que je trouve chez Primark à 3€, voilà. Donc, je les avais pas montrées parce que j'avais été chez Primark, j'avais pas pris grand chose, mais voilà, ça fait plusieurs fois que j'y vais que je regarde et il n'y en a pas. Et là, il y avait ma taille, donc j'ai pris les grises et les noires. Et donc voilà, les petites chaussettes comme ça, c'est bien pour mettre avec. Ensuite, j'ai repris des petits cactus comme ça, donc celui-ci, je ne l'avais pas. Donc voilà, comme ça, j'aurai les trois. Je croyais avoir pris l'autre pour vous montrer, mais non, je ne l'ai pas pris. Donc voilà, je vous mettrai peut-être une photo pour que vous voyez les trois. Ils sont trop mignons. J'ai pris des bouteilles comme ça pour faire infuser ce qu'on veut, donc des fruits. Là, moi j'ai mis de la menthe, donc voilà, je vous montre. Et je vous montre avec l'étiquette puisque ma soeur l'a laissée. Donc voilà, elles sont super bien, elles sont très pratiques. En fait, vous dévissez donc le dessus, vous lavez aussi en... Donc c'est toujours transparent, mais il y a le noir. Il y a comme ceci rouge ou bien vert ou bleu, non c'est tout. Donc vous dévissez, là vous tirez dessus, je sais pas si je vais y arriver parce que c'est mouillé. Donc voilà, ensuite vous redévissez, vous mettez vos petits bouts de fruits là, vous revissez, vous remplissez d'eau et vous refermez. Là, vous pouvez mettre un peu au frigo le temps que ça infuse si vous voulez de l'eau plus froide. Donc... Enfin voilà, et surtout là en ce moment il fait hyper chaud, donc c'est super bien d'avoir des petites bouteilles comme ça pour se faire ses petites boissons. Ensuite j'ai pris un masque décongestionnant. Donc moi j'ai pris pastèque, il y avait aussi citron ou kiwi. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Et voilà, vous le mettez au frigo, ensuite vous le posez sur vos yeux, ça vous fait tout frais. Ensuite sur le prospectus, il y a un petit moment j'avais vu les lunettes de soleil à 1,20€. Je ne les ai pas trouvées chez Action, mais là je les ai trouvées, elles étaient dans les promotions de la semaine à 99 centimes. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc j'ai pris voilà celles-ci qui sont marrons. Il y a encore les petits papiers. Et voilà, sur le papier c'est marqué la catégorie et tout ça. Donc celles-ci sont des catégories 3. J'ai pris celle-ci, plus ronde, toujours marron, et toujours un peu léopard, quoi, les deux. Quoique, non, celles-ci n'ont pas de dessin, elles sont toutes marron. Ensuite, j'ai pris des formes Ray-Ban à aviateur, et je les ai pris aussi en marron. Il y avait des grises, je crois. Et celle-ci, c'est toujours catégorie 3.
j'ai pris celles-ci qui sont noires et blanches en dessous. Pareil pour les branches. Et puis les autres style ribbon qui sont vraiment très belles. Je ne sais pas si vous allez voir. Elles sont noires, mais il y a des dessins dans les branches par transparence, des fleurs en couleur. Je ne sais pas si on voit. Voilà, je les trouvais très belles. Voilà. Donc, je me suis un peu lâchée sur les lunettes, je crois. Bon, bah, je me suis dit, c'est pas grave, j'en mettrai partout comme ça. Ça en fait un peu beaucoup. Ensuite, j'ai pris des substituts de repas comme ça. J'ai pris fraises. Il y a aussi vanille et chocolat. Voilà. Pour aller avec les lunettes, j'ai pris un boîtier. J'ai pris rose, il y avait d'autres couleurs. Puis il y a une mousse dedans. Moi, je vais sûrement la laisser. Voilà, il est assez grand pour mettre les grosses paires de lunettes de soleil. J'ai repris une poudre parce qu'on a toujours besoin, surtout moi parce que je brille tout le temps. Et voilà, pendant qu'il y en avait, elles sont pas chères, j'en ai pris une. Ensuite, j'ai pris des boîtes comme ça. Donc il y en a une, j'ai déjà mis quelque chose dedans. Donc il y en a trois. Un halo. Puis vous aviez des étiquettes avec, vous aviez trois étiquettes avec marqué coffee, sugar et je sais plus quoi. Bon, je sais plus le troisième. Donc voilà. Les trois tailles. Donc voilà, elles sont sympas. Et donc dans le premier, vous allez vous demander ce que c'est une sorte de muesli que j'ai aussi eu chez Action. Regardez les étiquettes. Noix de coco. Donc c'est oatmeal, coconut and mulberry. Je sais pas exactement ce que c'est. Donc il y a des raisins dedans, il y a de la noix de coco. Voilà, je testerai. Dans le moyen, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Et dans le petit, je vais mettre des amandes. Ben, j'ai trouvé chez Action, parce qu'elles sont pas chères. Donc il y en a 150 grammes. Donc voilà, en cas, c'est bien de prendre une poignée d'amandes. Donc vous voyez, ça tient dans le petit pot. Et encore une fois, j'ai pris avec le dessus bleu. Ça va avec la cuisine. Même si c'était pas ce que je préférais. Ensuite, la dernière fois, j'ai pris des verres donc, qui sont déjà déballés. C'est des verres que je vois depuis très longtemps chez Action que je trouve super beaux. Et comme les nôtres étaient en couleur et la couleur partait, pourtant on les lave à la main. J'en ai repris. Donc j'ai pris ceux-là, des lots 3. Moi j'ai pris de l'eau. Vous voyez, ils sont ronds, ils sont assez épais quand même. Et c'est marqué water dessus. Hein? Voilà, ils sont tout mignons. Et puis je savais qu'il y avait aussi les carafes qui allaient avec, mais il n'y en avait pas. Et donc quand j'ai été à l'autre Action, il y en avait, donc j'en ai pris une. Et donc voilà comment elle se présente, donc c'est marqué aqua, water et l'eau. Et voilà, elle est trop belle. Ça va avec. Ensuite j'ai pris un checker pour checker les substituts de repas, parce que j'en avais pas. Il y avait plusieurs couleurs, moi j'ai pris rouge, mais il y avait bleu et il y avait vert. Et donc voilà comment il se présente. Ça se dévisse en bas. Donc il y a un compartiment. Vous pouvez en fait emmener. Vous remplissez de lait ou d'eau. Enfin ce que vous voulez. Suivant la dose qu'il vous faut. Il y a des graduations. Et puis au lieu de mélanger et que ça ne soit pas bon quand vous buvez, vous mettez votre poudre là-dedans. Et comme ça, vous mélangez juste avant de déguster. Et puis ici, vous avez, ça se dévisse toujours, des compartiments pour mettre vos compléments alimentaires, vos vitamines ou je ne sais quoi. Voilà. Et puis vous pouvez autrement le garder comme ça si vous n'en avez pas besoin. Et puis là, ça s'ouvre pour boire. Et je vois qu'il y a une grille dedans. Ça évite d'avaler des jumeaux. C'est bizarre. Enfin non, je sais pas. C'est peut-être pour tamiser quand on met. Je sais pas trop à quoi ça sert. Remettre quelque chose dessus. Ah oui, peut-être mettre
repas ou petite collation, je sais pas. Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise en commentaire. Ensuite, sur conseil de ma maman, j'ai pris de la marque Scholl. Je sais pas trop comment appeler ça. Un liquide à mettre dans les bains de pied. Quand on veut faire des bains de pied. Oui, bains de pied relaxants, voilà comment ils appellent ça. C'est caviar vert, sérum marin et vitamine E. Et elle le trouve super bien. Voilà, ça fait plusieurs fois que je ne le prends pas. Puis là, bon, là, je l'ai pris. J'ai pris trois petits bibelots que je trouvais trop mignons. Il n'y avait pas dans mon action, je les ai trouvés dans l'autre. Donc, il y avait, j'en ai pris trois sur les quatre modèles qu'il y avait. Donc, j'ai pris l'ananas, le palmier et le cactus. Et il y avait aussi un oiseau. Et ensuite, j'ai pris des boîtes comme ça. C'est pour mon papa, mais je peux vous montrer, parce que de toute façon, il ne regardera pas la vidéo. Donc, pour la fête des pères, il sera super content. Posé sur une table, il peut mettre ses affaires dedans. Donc, il y a celle-ci, c'est marqué... Things, donc voilà pour mettre des choses. Donc il a toujours des bons, des trucs. Il trouvera bien des trucs à mettre dedans. Mais je pense qu'il va tout mélanger, il va pas mettre bien dans les bonnes. Il y a celle-ci, donc on a pris blanc pour mettre au milieu, pour mettre les clés. Et puis celle-ci pour mettre des pièces. Donc je pense que ça va lui plaire. On lui a pris aussi un porte-monnaie, enfin un portefeuille, mais je l'ai déjà donné, donc. J'essaierai de vous mettre une photo, voilà, si j'arrive à en récupérer une. Dernière chose que j'ai acheté, c'est pour faire des massages au niveau des jambes, contre la cellulite, enfin voilà. Ça active la circulation sanguine et donc ça permet d'éliminer. Ma maman en voulait un, du coup je me suis dit, ah bah tiens, voilà, j'en ai pris un pour elle aussi. Et il n'y avait qu'une couleur, donc il n'y avait que violet. Je voulais acheter de l'huile aussi, justement contre cellulite, mais ils en avaient pas, donc il y en aura peut-être plus tard, je sais pas. Et puis je me suis dit, je vais prendre de l'huile sèche en attendant, plutôt que de racheter une autre huile quelconque, une huile simplement hydratante. Voilà. J'avais oublié quelque chose, donc voici le dernier objet que j'ai acheté. Donc c'est pour ma soeur, c'est un parapluie pliable, voilà, noir, donc il y avait plusieurs couleurs, il est uni. Elle en voulait un noir, comme on en a trouvé un, je lui ai pris. Et voilà, elle l'avait déjà mis dans ses affaires, donc je l'avais oublié. Donc voilà, la vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, moi je vous y répondrai. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.